Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 4 avec un nouveau kit qui s'appelle Nouveau Style Masculin. C'est un mini-kit, donc c'est quelques nouvelles tenues pour les hommes principalement. On va lire d'abord le détail. Entrez dans les détails justement, mettez la garde-robe de votre Sim au goût du jour avec des basiques tendances. Des formes fluides donnent du style à n'importe quelle tenue, tandis que des fermetures à glissades, des coupes et des plis apportent une touche de modernité aux tenues quotidiennes. Testez des styles raffinés et subversifs, ces looks redynamisent les basiques. Ne m'appelez pas pendant que je joue. Jouez avec des jupes festonnées ou plissées et des pulls à motifs. Chut, téléphone, arrête. Ou associez une robe chemisier élégante à des mocassins emblématiques pour modeler la culture de demain. Et regardez les tenues, donc des jupes pour hommes, effectivement. Que les femmes aussi peuvent porter d'ailleurs dans les Sims, hein, parce que les Sims peuvent aussi porter des robes, les Sims hommes peuvent porter des robes déjà et des jupes. Mais on a des nouvelles, et regardez, ce pull est vraiment trop beau. Les tenues sont vraiment superbes. J'ai hâte de voir ça en jeu. Ici, j'aimais aussi beaucoup voilà, cette tenue. Et donc tout ça, on va le voir dans les Sims 4. Et comme vous aimez beaucoup la famille Lestrange, vous l'avez dit dans les commentaires, on va donc reprendre avec les Lestrange. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de notre nouveau personnage. Peut-être qu'on va pouvoir le rencontrer, hein, un petit peu. Ce serait sympa de pouvoir le caser avec Bella. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a eu des nouveaux objets qui sont arrivés, dont des objets de fête. Regardez-moi ça. Non, on s'en fout alors. Je ne vais pas ouvrir de fenêtre dans le navigateur. Hop, des petits objets pour les fêtes, voilà. Une petite mise à jour automatique. Allez, on va charger du coup les Lestrange. Ah, nous y voici. Donc, oh bah, comment c'était tristouille. Pourquoi t'es triste? En présence de la mort, témoin d'un décès. Ah bah oui, oui, c'est vrai. La dernière mission était un petit peu mouvementée. Bon. Du coup, je me disais, effectivement, quitte à avoir commencé un nouveau foyer, donc notre petit Dimitri Cotin, pourquoi ne pas le faire se rencontrer avec Stella, j'ai encore appelé Bella, je crois, pour les faire fricoter ensemble. Hein? Faut qu'on trouve un moyen de te le faire rencontrer, le petit Dimitri. On va aller au Mont Komorebi, hein. On verra, je sais pas si on peut garder son... Je pense pas que je puisse garder, du coup, sa mission à Dimitri, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fera les scénarios une autre fois. C'est vrai que j'aime bien suivre les Lestrange et puis les scénarios, ce sera un autre délire. Il y a eu une mise à jour aussi, normalement, au niveau des de l'autonomie des PNJ. Et petit à petit, ils vont développer un petit peu l'autonomie des PNJ pour qu'ils puissent faire un petit peu des choses, comme dans les Sims 3. Faire des choses d'eux-mêmes. Ce serait bien. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose dans... Bah, qu'est-ce qu'il y a mon petit poussin? Il a faim on dirait. A très faim. Oh bah alors. Ils passent leur temps à avoir faim. Hey. Faut vraiment les nourrir de façon très assidue. Hein. Ma vache, comment elle va? J'ai l'impression qu'elle pionce tout le temps. Ouais. Occupe-toi du poulailler. Comment je vais faire moi si jamais j'ai plus Léonard après? Enfin, quand j'aurai plus Léonard après? Pour l'instant, c'est lui qui fait tout le boulot. Bon, lundi. Oh, bon, on a le temps pour Mélodie de la ville. Hop, Cocotte, elle va aller manger du coup. Oh, j'adore ces animaux. Trop mignons. Qu'est-ce que tu veux faire? Prendre de l'eau. Ouais. Prends un bain. Toi aussi, tu pourras prendre un bain quand tu te réveilleras. Mais non, quand tu te réveilleras. Oh.
Toute l'équipe est fière de nous. On nous envoie des fleurs. C'est gentil. Attends, la fin. Qu'est-ce qu'il fait, Papou? Il regarde la télé. Sers le déjeuner. Dans la cuisine de l'autre côté. C'est moi, il y a un truc qui pue. Non, c'est juste le reflet qui était un petit peu bizarre. Préparer un ragoût de pirate. Un bon ragoût. Toast avec eux. Familial, hein, on est moins nombreux. Qu'est-ce que tu fais? Ça pue l'air bon, ça. Voilà, c'est gâté, tu vois. Mon pudding. Ça va, toi? Petit mignon. Oh, il est pas très heureux. Nourris-le avec de la poussière. Bah alors, Stella. C'est bientôt fini cette histoire là. 2 jours. Perdu une amie. Non mais sérieusement, c'était pas une amie, c'était une cliente. Ok, bon. Toi, pendant ce temps. Est-ce que tu voudrais pas te mettre aussi un petit peu tout ce qui est point de croix, tout ça? Fais un arc-en-ciel. Ah. Non, c'est facultatif, la laine. Galerie 27, notification dans la galerie. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté encore, Maxis? Elle me fait de la peine, là. Bichette. Oh là là, bon. Vas-y, c'était une réussite le jour de Jargon de Pirate. Très bien, Stella. Ah, c'était horrible, par contre, pour Léonard. C'est pas très grave. Voilà, il a acquis, le point de croix. Oh non, on se pique pas quand même. Allez, finis un petit peu ton truc là. Il est pourri ce lit, c'est pas possible. Tu me dirais qu'il est que 4h du matin. Toi, t'as décidé d'arrêter le point de croix. De quel droit? Peut-être qu'il l'a fini en fait. Non, pas mettre dans l'inventaire. Ah non, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Pour un projet moins ambitieux, mais il vient de commencer, sérieusement, quoi. Bon, puisqu'il s'est fait mal, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Tiens, va nettoyer l'abri. Oh là! Et le poulailler. C'est cradingue. Ok. Mais c'est fini, c'est Jérémiade. T'as trouvé de l'engrais.
Oh, de l'engrais d'ailleurs. C'est l'été! Wouh! Alors, en parlant de ça, peut-être que je m'occupe aussi de mes. Évoquer ses racines, tu peux discuter un petit peu avec tout. Tiens. Parler de culture G. Ok. Oula, elle est très triste, elle rayonne même, tellement elle est triste. Pauvre Stella. Tu déjeunes, puis tu vas nourrir un apeluche. Ah, petit poussin! On remettra à manger aussi. Voilà. Bah alors. C'est pas bon? Ah, médiocre, oui. Ah, il est pas doué pour la nourriture, apparemment, papa. On te force pas, hein. Alors, du coup, peut-être te demander de te laver pour que tu puisses être présentable, pour qu'on puisse aller au mont Komorebi et tenter de croiser Dimitri. Si en plus il ramène son objectif, ce serait juste parfait. Enfin, faut déjà qu'on le rencontre, qu'on le séduise, et après on verra pour la suite. Ok, automatiquement, ça fait arroser tout. Ok. J'ai cru voir un truc qui puait, mais non, j'ai dû halluciner. Attribuer des volailles. C'était là un contrat. Bon. Ben Hay, Skibaro, Simona Zero, Schmezel, Yubina, Ukaru. Oh, pas. On va s'occuper du contrat et après on ira chercher Dimitri. T'as des musiques, tu sais pas à quoi ça correspond. Huguette n'a pas reçu les soins appropriés. Oh non! Attends, il restera si on apporte les bases. Qu'est-ce qui se passe, Huguette? En même temps, elle sort jamais de son truc. De décorer. Bon, mettons-nous au travail. J'espère que l'autre s'occupera de Huguette pendant ce temps. Mais elle dort tout le temps en fait, Huguette. Il faut que je la fasse sortir moi-même pour qu'elle puisse se nourrir et tout. C'est trop chelou. Ou alors elle a bugué, Huguette. Shavana, Huguette. Shavana, Huguette. Alors, on est à Soulani. Cliente, amicale.
Bon, j'espère qu'on va réussir le contrat. C'est un look sympathique hein, pour... Alors, discuter. Sulasibi? Ah, Floni Nobi. Bobi Vumu. Fabu Morbi. Sponi Fimpa. Oh, Vidabet. Yibs Alfness. Alors, elle aime pas le style de décoration île. C'est un peu con pour l'endroit en même temps. Oh, rénovation de pièces. Elle aime le fitness. Pas l'air simple, hein. La maison est sympa, en revanche. D'accord, donc je peux pas rentrer là, apparemment. Les droits d'auteur. Je vais frapper à la porte quand même du coup, hein. Ah, maintenant elle aime bien le style de décoration île, c'est bien. Et tous les festivals en même temps. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ok. Je sais pas quelle pièce du coup. Ça me dit pas quelle pièce je dois rénover. Bon, on verra bien après. J'aimerais bien que ce soit la cuisine parce que bon, je pense qu'il y a des trucs à faire. Parfait. Elle aime la danse, le fitness et la décoration île. C'est parfait. Trois trucs qu'elle aime. Ok. C'est joli quand même comme cadre. Hein. Alors, bah, je sais pas ce que je dois décorer donc. Ok. Je fais un peu toutes les pièces. Hein. Très jolie la chambre aussi. J'aime bien le style. Enfin, l'architecture. Je trouve que l'architecture de la maison est très très cool. Ce silence oppressant. Voilà. Mode construction. Aucun nouveau carrelage, d'accord. Je rénove la pièce que je veux, c'est ça? Bon. Au niveau des styles, je vais prendre du... Allez, mets-moi la liste, là. La liste de décoration île, hein. J'ai un électroménager donc du coup si j'ai ça donc, c'est pas tip top. Mais ça c'est déjà de l'île.
C'est déjà le meilleur. Ah, mais elle a déjà tout en île en même temps. Comptoir. Oh, c'en est aussi. Il me faut des trucs qui viennent d'autres, d'autres extensions en fait. Qu'est-ce que ça peut être? Au niveau de la chambre, sinon attends. Ben, je peux passer à voilà, une chambre un peu plus upgradée. Si je rénove sa chambre. Quel autre objet ça croise? Allez, donc je refasse tout. Mais... il y avait un truc dans cette chambre. Voilà. Un beau baldaquin. Énergie 8 hein, quand même. Donc voilà, on fait mieux. Ah, et moi je suis la grille, hein, je suis beaucoup plus conservateur. Celui-là il est pas mal. Mais ça fait bizarre avec le. Le rideau là. Ouais non. Est-ce que je fais comme à côté, je relève le rideau? Voilà. Je vais voir. Peut-être en décoration. Peut-être des choses qui vont m'inspirer. C'est grand ça, non? Non, pas tant, mais ça se met par terre. Oh, ça c'est trop beau. Ok. Ouais, peut-être. Non! Ah ah ah! Annulé. Tu peux remettre la musique, hein, c'est pas. Non? Il n'arrive pas. Oh là, attends. Voilà, faut que ce soit aligné. Ok, on est bon. Non, il veut plus de musique. Tapisserie, donc non. Plante. Trop de place. La fougère de la jungle en pot. Ok, lumière. Oh, c'est mignon ça.
C'est absolument mignon. Ah non, si, c'est trop mignon. Tu m'embêtes à retirer à chaque fois le... décoration, tout. Ah, il y a ça, voilà. Ornement du plafond, tiens, c'était déjà classé comme ça avant. Je te mets celui-là. Ensuite. Bon, bah rideau, on est bien. Hein. Je vois pas ce que je pourrais ajouter d'autre. Hein. Honnêtement. Même le fitness. Ce que j'ajoute. Ouah non, y a pas, y a vraiment pas assez de place. S'il y a peut-être un objet de sport. On va voir. Activité et compétences. Un petit truc de sport. Petit. Ah non, ça prend de la place. Tapis de yoga, ça prend de la place. Y a rien qui ne prend pas de place. J'aurais bien fait une salle d'entraînement, hein, mais... J'ai un ballon de foot là, ça ferait un peu bizarre quand même dans la chambre. Après, ouais, est-ce que je peux mettre un sac de frappe? J'ai pas la place. À la place de ça, ça aurait été bien, mais... Non, écoute, gardons ça, et voilà. Non, on prend des photos après, maintenant. En route, Micheline! Oh, j'ai pas vu cette petite pièce, c'est une petite chambre. Oh, trop mignon! Adorable. Ok, c'est bon. T'en veux trois obligatoirement? Voilà. C'est bon. Donc avant. C'est un peu con de montrer des photos qui ne sont qui ne concernent pas le, la pièce que j'ai changée, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que cette fois-ci je vais réussir à nouveau le contrat et qu'il n'y aura pas de mort. Pipi ? Bon, t'as un petit peu le temps. Bon, elle a pas trop le temps.
J'ai même pas vu où était la salle de bain. Ah, ici. Ah. Laissez-moi faire pipi. Il passe pas à travers les murs. Ah ouais, là c'est bien, la première photo c'est bien, mais alors là, tu te demandes. Ouais d'accord, ok. J'ai fait une chambre dans la cuisine. J'ai fait une chambre dans la salle à manger. J'ai loupé mes photos avant après, oui je suis d'accord. Ça, regardez ça, regardez ça. Le lit surtout, c'est un peu la pièce maîtresse là. J'ai réussi à lui faire changer d'avis sur la décoration île quand même. Ah, pas l'air convaincu. Est-ce que je peux faire pipi? Ah, ok. Donne-moi juste 5 minutes tant que tu regardes un petit peu la déco. Bon, elle aime bien la plante. Amical, juste papoter, compliment, tiens, sincèrement. Tu penses quoi des lumières? Ah! Apparemment, ça a l'air de plaire. Les bougies. C'est un peu dangereux, mais c'est joli. Elle est prête à donner son avis final. T'assieds pas sur le lit. Oh, Kimba. Froom. Narfa. Fazu Wiftanabe. Loonies. Gelsi. Napa. Moi, je suis pressé. Je demande le verdict avant de papoter. Corbido. Dornavest. Molinard Nave. Amélioration. Ah, semble avoir aimé. Bah très bien. Faut qu'on ait une musique triste. Ta-da-da-da. On progresse, c'est bien. Ah bah je préfère ce jingle. Joli travail. Et ben voilà. J'imagine que ça fait du bon travail, mais ça me plaît pas. Techniquement, toutes les cases ont été cochées, mais j'aime pas le résultat. Oh non, bah alors. Un petit renard. Tiens, le voisin qui passe. Non, c'est un fan. Le renard se balade. Bichette, toujours triste. Oh, purée. Attends. L'estrange en déplacement. L'estrange, ils vont aller. Awakaba. Bon, bar à cocktail. Je veux rencontrer Dimitri. Comme ça, on saura si on peut amener le défi dans la maison. Ce serait parfait. Puis, j'irai bien ensemble. Pa-pa-pa-pam. J'aimerais bien que notre ami Ulysse prenne des décisions aussi pour sa vie perso, en autonomie, qu'il se trouve une femme et qu'il fasse des enfants.
Oula. Il pleut. Tiens, d'ailleurs, dans les options. Autonomie totale. Afficher les envies. Ah oui, c'est vrai que je le fais plus. Âge automatique. Des cibles non utilisées. Ok. Permet aux cibles avec lesquelles vous ne jouez pas. Cette option n'est pas activée, aux cibles ne vieilliront pas. Ok. Là, ils vieilliront. Bah attends, va... Chelou cette dame. Ah bah il fait beau. Oh beau gosse. Attends. Ah c'est une personne âgée. C'est Brandt. Ah mais il a vieilli aussi. C'était pas le mari de Brett. Petite scène de spectacle. Bon alors attends. Parce que je suis venu dans ce quartier uniquement pour voir le quartier déjà parce que c'est très joli. Ah mais c'est vrai que c'est le festival. C'est sympa. Ah il y a la mascotte, il y a Machan pour les enfants. Prendre un selfie, faire la danse de la montagne. C'est qui là? Est-ce que c'est... Non, c'est Naoki. C'est qui Emily? Qu'est-ce qu'elle veut? Beth, Sterling et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée? Ah bah voilà, c'est le genre de choses qui se passent avec les PNJ. Et du coup là ils proposent et on dit bah ouais vas-y avec Beth, carrément je crois que tu devrais te lancer. Ça permet d'un petit peu d'influencer ce qui se passe. La maison de Dimitri. C'est laquelle? C'est celle-ci. Pas savoir s'il est là. Il habite là, hein, ouais. Il me semble. Je me souviens plus. C'est terrible. Mais il met pas le nom, là. T'es toujours triste. Mais non, t'es avec la mascotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Désactiver les visites. Oh bon, c'est triste. La petite danse de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Donner la bénédiction des enfants, c'est quoi ça? Ça donne ta bénédiction. Ça? C'est juste ça? Ok. Vas-y seul, va voir s'il est là. Dimitri, bonjour. On se connaît pas, mais on se connaît en fait. Je vous ai vu au beau milieu d'un rêve. Dum, dum, dum. Alors, 2, 4, 2, Wakamabo. Ah, mais c'est pas la bonne maison. J'ai mal visé, ça arrive. J'espère qu'il sera pas au boulot.
Disons, on va faire le pied de grue, on va attendre. Pam, 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 pam. Cotin, voilà. Il n'a pas l'air d'être là. Hein. Si, il est là. Entrez. Salut. Non, tu peux même faire présentation polie. So. So, so. So, so. Oh, Afrif. Amical. Convaincre d'installer des éoliennes. Discuter l'idée d'agrandir la famille. Ah bah, on s'entend super bien, dis donc, déjà. Grâce à la présentation polie, vous voyez, ça... Ça crée du lien. Je vais raconter une petite histoire drôle. Sportif. Colocataire déjà? Mais... Tu veux pas faire des... C'est quoi toute cette énergie d'un coup? Connexion profonde. Ah du coup oui c'est ta... Ça lui plaît. Wafetub Fibose. Chul. Shalbuta Brogi. Nuloy, huh? Brush. Tedu. Wallacharb Souza. Mouba Moubna Moubna. Donne un coup de hanche. Parole d'encouragement. Bobanef. And Zerba. Kipepta. Galink. Dimitri, responsable de haut. À l'équipe des autres sports. C'est pas très clair votre truc. Unkim Angor Slapshim. Fabas, Bevamoy, Yanabi, Yova, Dorsa. Faire connaissance. Harpin. Bobanef. Ooh, Kidepta. Il est solitaire. Ah oui, c'est vrai. Parler du temps ensoleillé, bon c'est un peu nul mais bon. Complimente sincèrement. Complimente son apparence. Demande s'il est célibataire. Elle est très enjôleuse. Mais qu'est-ce que tu tailles ton truc là? Ciao. Tu fous le bordel alors que je suis là. Il y a Glutonspiel. Kinnod. Yibs Kinnod. La meuf, elle débarque, elle le drague et elle va l'inviter dehors. Ça, c'est très 2022. On est direct, on n'attend pas. Pas discuter, non? Proposer de sortir. La question, c'est où? Oui. Alors, où est-ce qu'on va? Changer de quartier. Del Sol Valley, tiens, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Un bar à cocktail. Allez. Ok, ok. Ok. Si le jeu me dit ok, c'est que c'est ok.
Du-du-du. Qui a verrouillé la porte? Laissez-moi entrer. Alors, hop. Bah, regarde, c'est drôle là. Tiens, regarde. On va jouer. Faire du karaoké, c'est drôle. Oh là là. J'ai un doute pour la drague. Bon. Ouais. Commander une boisson pour le groupe. Un petit cocktail. Qu'est-ce qu'on prend? Un zèbre pétillant pour tout le monde. Non, arrête. Faudra qu'on s'entraîne. Non, mais Oui, super. Voilà. On dirait moi, c'est marrant. Ou Harry Potter. Laisse-moi voir. Échange numéro de téléphone. Drague un peu. Technique de... Ah, c'est ça que j'aurais dû faire, proposer un rancard. Itzy Fabulous. Il est marrant, lui. Vas-y. On va changer d'endroit, c'est un peu con. Je te propose un rancard au même endroit. Voilà. Black perso. Fais une imitation. On s'est doué en comédie, voilà. Joueur en même temps. Alors, joueur. Comment qu'ils deviennent joueurs? Offrir un cadeau amusant, peut-être, je sais pas. Ah là, elle est joueuse. Voilà, c'est bon. Flirter. Draguer. Oh, il aime pas. Allez, super rancard. En étant enjôleur. Oh,
Zimiste! Lumish! Insinu! Instadorpa! Togiboo! See why? Kabla! Zozo! Majana! Dornov! Dodoveppi! Ibishi Panoisa Moikform! Rogaba! Allez, sois enjôleuse là! Palabo! Skunk Blaffin! Non, discute pas avec le groupe là! Ibna! Arrête avec ta tristesse! Qu'est-ce qu'elle fout, l'autre? Eh, hey, mais casse-toi, toi! Non, mais dis donc! Que tu viens me le piquer avec tes yeux de. Mon dieu, mais c'est quoi ça? Mais dis donc, elle est psychopathe en plus! Conversation profonde. Simbab Krako. Unsta. Shababu. Colnil. Udrips the skein. Harsip Neebs. Lorobi. Corsoi. Sibu. Voilà. Flirter en étant enjôleur. Alors, compliment déprimant, non, peut-être pas. Shababu. Colnil. Meska Palachaba. Essaye de flirter. Essaie de flirter. Il est où? Où est-ce qu'il est passé? C'est quoi cette tenue? Ah. Bon, tente le compliment déprimant. T'as faim à ce point? Ah oui, la faim. Fin. Commande à manger. Ah, plateau de fromage et de charcuterie. Ça y est, j'ai faim. Qu'est-ce qui se passe ici? Une célébrité, c'est ça? Thorn Bailey est là. Bon, après le rencard se passe super bien. Hein. Oh, fais-toi plaisir, ça a l'air trop bon. Bon, c'est vraiment pas une plantation, hein. On voit que c'est les Américains qui ont fait le jeu. Et le plateau, du coup. Bah, il dort là, le pot. Va le réveiller gentiment et va en tenter de le dragouiller. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Nino Chaza. Falabalom. Harpin. Ah, Banarla. Kelna. Enjôleuse, voilà. Embrasse avec passion. Ah non, il a pas aimé. Attends, laisse-le faire pipi. Après, c'est le bisou, là. La pose sexy juste avant. Vanilla.
Lève-toi, il faut que je t'embrasse. Mais qu'est-ce que vous me faites là? Mais... C'est quoi cette mise en scène de premier baiser? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le prends en photo? Qu'est-ce qu'ils me font ces zinzins? Ah, elle est blasée. Blasé, blasé, blasé. Ah, baiser passionné. Ah, je remets sur pause 2 secondes pour que... Voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Ah mais c'est moi, je suis fan. Je vais me saluer. Peut-être que j'aurai une vie de PNJ du coup comme ça. Amical, complément de sa tenue, parce que je trouve qu'il est super bien habillé. Non, j'aime pas son haut. Je passe à travers les murs, c'est fou. Pipi! Ah, médaille d'ordure en quart. Et ben voilà. Ouvrir le profil, ça fait quoi? On voit lui un SMS de drague. Et rentre à la maison. On pourra faire venir Dimitri. On lui a créé l'homme de ses rêves sans le savoir, si ça c'est pas formidable. C'est un beau retournement, tu penses pas Stella? J'adore ce neuneu, c'est trop beau. On est vraiment super méga amis d'un coup là. Ouais, on rentre à la maison, t'inquiète. Allez. Des graines, t'inquiète. Bon, Huguette, oui, au fait. Ah, mais c'est bon, j'ai planté des trucs. Huguette. Fais-la sortir. Fais sortir Huguette, là, parce que ça va pas du tout. C'est quoi le délire? Toi, va te gérer toute seule, t'es assez grande. C'est
C'est propre, il y a de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe, Huguette? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne sortais pas? T'es sale, t'es malheureuse et tout. En fait, elle sort pas d'elle-même. C'est ça le délire. Oh, ma guéguette. Oh. Oh, qu'elle est mignonne. Voilà, t'es toute belle. Voilà. Ma guéguette. Raconter une blague vachement drôle. Qu'est-ce qui se passe? Quelle était cette musique? Mais ressors pas, guéguette. Enfin, rentre pas plutôt. Oh! Une nouvelle peluche. Oh, mais il y en a partout! Faut toutes les nourrir. T'as en fait de la poussière. Ah bah voilà, en fait elle est là. Alors action améliorée. 6 pièces d'amélioration. Ah, il faut aider les villageois. L'étage est poussiéreux. On va être envahi par les petits moutons de poussière là. Oui, retourne te... Non mais dors. Dormir directement. Faudra que tu invites Dimitri. Même s'il est solitaire. Justement, vivre ici en solitaire, c'est bien là, la campagne. S'occuper des poules, des vaches. C'est sympa, non? Oh mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est énorme cette citrouille. Raconter des salades. Mais là, ils sont tous morts les autres ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y en a plus que deux? Mystère. Cui, cui, cui. Bon! La vie à la campagne. Hein? On va continuer à voir ça du coup dans le prochain épisode des Sims 4. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On verra jusqu'où nous mène la relation avec Dimitri. Et si on pourra continuer du coup le challenge qu'on a commencé avec lui. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve bientôt pour la suite des Sims 4. Ciao, ciao!